Le second titre, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, et Emmanuel Macron qui vont se rencontrer dans quelques jours. Monsieur Larcher, bonsoir. Vous le trouvez comment, notre nouveau président? Je peux vous dire qu'il me fait peur. Ah bon, il vous fait peur? Vous le trouvez trop jeune? Ah, pas trop jeune, trop maigre. Le président Hollande, ça c'est un grand président. Vous avez vu, à peine avoir fini son pot de départ rue Solferino, il part enchaîné avec un couscous au restaurant à la Boule Rouge. Ça, ça de la gueule. Souvenez-vous de la grande époque de Chirac qui était capable de manger un bœuf entier. Ça, c'était quelque chose. Alors que le petit Macron, avec ses escalopes cordon bleu et ses menus enfants, moi, je vous le dis, monsieur Arthur, la politique à l'ancienne touche à sa fin. À quoi ressemble la vie après le pouvoir? Nous avons quelques images, regardez. Tous les grands leaders de ce monde... François, je trouve pas les comptes de la France, tu les as laissés où? Je sais pas, regarde sur la table de la cuisine peut-être. Vite, on se barre, il a pas encore vu les comptes. Mais débarrez, bordel! Alors, on a donc des cacahuètes, du vin blanc et du champomis. Ben dis donc, on va faire la fête ce soir. C'est pour une petite soirée chez Hollande. Ah oui, donc là vous foutez plus rien quoi. Allez-y, insérez votre carte bancaire, appuyez fort. Dépêchez-vous parce que j'ai un petit peu de monde. Oh, il se baisse alors qu'il fait 1m12. Ah, paiement refusé. Ah. Vous avez du mal à boucler les fins de mois, non? Oui, c'est parce que j'ai perdu mon job hier, du coup je suis un petit peu ré-crac en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc bienvenue à tous pour cette conférence de la Fondation Hollande qui a pour thème la fin dans le monde. Et donc nous... Mais là, vous allez continuer à manger pendant toute la conférence? Ah ben oui. M, voyelle. E, voyelle. U, consonne. R, voyelle. A, consonne. Qu'est-ce que je me fais chier, moi? Voyelle. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'avec cette chaleur, c'est agréable à porter. Oh, c'est normal, hein. Alors, vous appelez ça comment, exactement? Une veste à col. Ah, une veste à col. En tout cas, c'est vachement bien comme truc. C'est des chipendales, ce que tu dis ça, en général. Ah, d'accord. Oui, et puis, en fait, comme je suis en slip, c'est vrai que la veste à col, ça fait quand même protocole. Ah, bah, c'est sûr, là, moi, vous êtes... Chic. Enfin, à moitié chic. Excusez-moi. Si vous pouviez juste attendre un instant, parce qu'il y a un enfant là-bas, et comme vous êtes en slip et torse nu sous votre veste... Oui, bien sûr, je comprends. C'est mieux, c'est par précaution. C'était en quelle année déjà, la guerre de 14? Allez, viens mon petit, et surtout te retourne pas, parce que j'en ai vu des horreurs en 14, mais là c'est vraiment dégueulasse.